Voilà, je prends la parole pour témoigner parce que j'ai vu des gens sur les réseaux qui disent que Cyril Hanouna et Myriam Palomba seraient à la tête d'un immense trafic d'adrénochrome via un laboratoire tenu par Vincent Bolloré. Diese Parodie hätte ruhig in den Tiefen des Internets verschwinden können. J'ai des informations selon lesquelles Francis Lalanne serait également impliqué dans l'enlèvement d'enfants avec des chansons. Doch als ich das Video entdecke, bringt es Twitter, heute Ex, buchstäblich zum Kochen. Adrenochrom. Ein Begriff, der mir vor einiger Zeit noch unbekannt war, macht heute überall in Social Media die Runde. Eine Droge, die von den Mächtigen dieser Welt geliebt und aus dem Blut von Kinderopfern hergestellt werden soll. Wie hat sich diese unheimliche Idee verbreitet? Was steckt hinter den hitzigen Posts? Gehen wir dem auf den Grund. Wir sind die über 1000 Europäerinnen und Europäer, die sich meiner Redaktion angeschlossen haben. Unter ihnen sind KindergärtnerInnen, Lehrende, RettungssanitäterInnen, Studierende, RentnerInnen. Sie wollen bei den Themen, die sie betreffen, die Wahrheit von der Unwahrheit unterscheiden. Wir gehen einem ebenso viralen wie unheimlichen Gerücht auf den Grund. Mysteriöse Netzwerke sollen Kinder misshandeln, um sie dazu zu bringen, Adrenalin auszuschütten und Adrenochrom zu produzieren. Das Molekül soll zu neuer Jugend verhelfen. Johnny Depp, der Papst. Wir wollen aufzeigen, was falsch und richtig ist, woher diese Theorie stammt, welche Auswirkungen sie hat und auch ihre Vertreter befragen. Bonjour, Monsieur Fauré. Die Kehrseite der Gerüchte aufdecken. Adrenochrom. Und ihre schrecklichen Folgen. Je me suis dit, à un moment donné, il va y avoir un passage à l'acte violent contre lui. Willkommen bei Citizen Facts. Les enfants seraient alors emmenés à l'IHU de Marseille, où Didier Raoult les endormirait. Nach wenigen Klicks finden wir heraus, dass die Parodie eine Reaktion auf die Fernsehsendung Touche pas à mon poste des französischen Senders C8 ist. Moderator Cyril Hanouna wird vorgeworfen, zu weit gegangen zu sein, als er einen Mann zu Wort kommen ließ, der sich als Ex-Promi-Dealer von Paris ausgibt, Gérard Fauré. L'adrénochrome, c'est du sang d'enfant qu'on prend sur des enfants de 3 ans, pour commencer. J'ai envoyé en prison, là, en HP, une nana qui voulait vendre sa fille. On lui a enlevé sa fille. Elle voulait la vendre, elle voulait l'installer dans un laboratoire d'adrénochrome que j'ai dénoncé, j'ai donné l'adresse du laboratoire et tout. Gérard Fauré ist uns unbekannt. Er ist offensichtlich gut informiert, denn er soll die Adresse eines Adrenochrom-Labors haben. Welches Labor meint er denn? Um mehr zu erfahren, besuche ich seine Website. Dort verspricht er weitere Enthüllungen. Für Abonnenten. 7,77 Euro kostet der Zugang zu den Geheimnissen von Gérard Fauré. Ich bezahle und sehe diese Videos. La chanteuse, la Céline Dion, elle en a trop abusé de ça. Et ce sang, il va au vieux salopard, à la bourrée d'oseille, qui achète ce sang à 100 000, 200 000 euros le litre. Dans une émission, j'ai montré l'endroit où il y a un laboratoire où des petits-enfants de 3 ans sont kidnappés et sont enfermés et attachés. Et on les bat tous les jours. Eine Adrenochromfabrik auf französischem Boden, die Gérard Fauré in einer Sendung vorgestellt haben soll. Aber welche? Obwohl die Redaktion seine Enthüllungsvideos durchforstet, können wir sie nicht finden. Also rufe ich ihn an. Er weiß nicht, dass ich den Anruf aufzeichne. Oui? Bonjour, Monsieur Fauré. Haute Favre à l'appareil, je suis journaliste, je travaille pour Arte. Je travaille avec des citoyens, on s'intéresse à l'adrénochrome. On a vu les propos que vous aviez tenus il y a quelque temps dans l'émission TPMP et on cherche l'adresse du laboratoire dont vous parlez, s'il vous plaît. C'est dans le sud-ouest de la France, je me rappelle plus du petit village. Moi, je l'ai en vidéo, d'accord? Je vais vous l'envoyer. Dans la vidéo, on voit tout. Et monsieur, il y a une enquête de police qui est ouverte? J'en sais, mais j'ai pas suivi, j'avais d'autres chats à fouetter, moi aussi, d'accord?
Seit der Ausstrahlung der Sendung im März 23 hat niemand herausgefunden, wo sich das Labor befindet, von dem Gérard Fauré spricht. Nun erfahren wir mehr darüber. Auf jeden Fall wurden seine Äußerungen zum Adrenochrom von fast 2 Millionen Menschen im Fernsehen und 100.000-fach auf Social Media gesehen. 58.000 Disparitions par année d'enfants et toujours on en retrouve les deux tiers. Neben Gérard Fauré verbreitet auch die Kolumnistin Myriam Palomba die Idee eines Netzwerks pädophiler Satanisten, das Kinder opfert. J'ai fait effectivement un article sur l'adrénochrome dans le magazine Choc là-dessus. Effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas totalement dément. Et même si je ne vais pas confirmer ce que dit Gérard Fauré aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. Elle a raison, Myriam. Non, on ne dit pas. Ein Artikel in der Zeitschrift Choc. Ich kaufe sie mir. Der Titel ist unmissverständlich. Zu den Stars, die in diesen schmutzigen Handel verwickelt sein sollen, gehören Hillary Clinton, Bill Gates und Tom Cruise. Ich beschließe, den Artikel über Adrenochrom, der unter der Leitung von Myriam Palomba veröffentlicht wurde, mit der Redaktion zu teilen und zu analysieren. Salut! Hello! Salut! Ça va? Ouais, ça va et toi? Si ça vous va, on va faire ça sous forme de jeu. Je vais vous laisser fact-checker l'enquête, du coup, le dossier de Myriam Palomba. Grâce à la rédac, on a développé une petite méthode, ça s'appelle la méthode STAR. Qui s'en souvient? Alors, il y a la source, j'essaye de me souvenir du T. Travail. Ouais. Bravo, qui a dit travail? C'est Cam, je pense. Non, c'est moi, Daniel. Ah, c'est Daniel, pardon. Auteur et rigueur. Bravo, examiner les sources, le travail, l'auteur, c'est-à-dire quelle est sa légitimité, etc. Et le travail, c'est le travail d'enquête. Et la rigueur de ce papier. OK? Alors, attention, c'est parti. Quelles sont les sources selon lesquelles ce réseau pédosataniste existerait ou l'adrénochrome serait... Enfin, voilà, quelles sont les sources qui étayent cela? Schnell lenken wir unseren Blick auf den Teaser des Artikels, der den Markt für Adrenochrom auf mehrere Milliarden Dollar schätzt. C'est écrit, ouais, ces lignes glaçantes ont été partagées sur Facebook. Alors voilà, ça démarre comme ça. Avec une citation de Facebook. J'ai vu aussi, regardez... Dans les commentaires les plus populaires, on découvre alors que la reine Elisabeth II et le prince Philippe ont kidnappé 10 enfants en 1968 pour se faire un open bar appelé Spirit Cooking et profiter de cette mystérieuse substance qui promet la jeunesse éternelle et une expérience de kiffance ultime. Donc en fait, là, on a une deuxième source qui est quoi? Ah oui, ok, c'est un commentaire de la publication Facebook. Facebook, oui. On est dans le haut du panier, là. Die Hauptquellen des Artikels sind Facebook-Kommentare. Einer stammt von einem mittlerweile verstorbenen Sympathisanten der britischen Armee. Ein anderer wurde von einer Amerikanerin verfasst, die Fan des Verschwörungstheoretikers David Icke ist. In simple terms, es gibt eine Spezies von Triebtätern in Reptilienform. Sie ernähren sich von der Menschheit, machen Menschen zu Sklaven und fordern Opfer. Ab dann wird es zum Satanismus. Sie ernähren sich von der Energie der Menschen und insbesondere von der Energie der Kinder. Donc là, on a fait les sources. Le travail, du coup, le travail, qu'est-ce que vous en pensez? Le travail d'enquête, on est d'accord? Le travail serait sûrement d'aller enquêter sur le... non pas l'historique du truc, mais le... quelle est sa réalité aujourd'hui? Bei einer Recherche ist es unerlässlich, mit anerkannten Spezialisten über das Thema zu sprechen. Hier ein Interview mit dem Psychiater und Universitätsdozenten Laurent Carilla. Comme l'explique Laurent Carilla, le psychiatre et addictologue à l'hôpital Paul Brousse, c'est un dérivé de l'adrénaline, etc., etc. Donc il y a l'air d'avoir eu peut-être un échange avec ce docteur. Mit wenigen Klicks findet Urbach heraus, dass Dr. Carilla bereits 2018 von der Agence France-Presse zum Thema Adrenochrom interviewt wurde, und zwar für einen Artikel, der diese Theorie widerlegt. Dans le fact-check de l'AFP, tu as la même citation. Donc en fait, elle a repris la même citation, mot pour mot, et elle a enlevé le « interrogé par l'AFP ». Ist das Interview mit Dr. Carilla ein Copy-Paste? Wir stellen uns diese Frage. Die Analyse der journalistischen Arbeit führt uns weiter als erwartet. Beim Lesen des AFP-Artikels stellen wir fest, dass viele Passagen fast unverändert von der Zeitschrift Schock übernommen wurden. Hier verweist der AFP-Journalist auf Facebook-Kommentare, die er gefunden hat. Das hier bezieht sich auf das Molekül. Hier geht es um den Preis des synthetischen Adrenochroms. Das Interview mit dem Psychiater, die angebliche Wirkung der Substanz, der Ursprung des Mythos und dieses Foto.
Der Faktencheck der AFP macht fast zwei Drittel des Artikels von Schock aus, der die Existenz des illegalen Handels mit Adrenochrom belegen soll. Es ist clairement un debunk qui a été utilisé à des fins de validation d'une information fausse. C'est ça qui est, je trouve, hallucinant. Ce serait fort. Franchement. Ce serait fort. Ça, un peu, non? Ça ressemble à ça. Als wir Dr. Carilla kontaktieren, bestätigt er, dass sein Zitat und sein Foto ohne sein Wissen verwendet wurden. L'auteur Myriam Palomba, vous la connaissiez, vous? Inconnu au bataillon de mon côté. Ist Myriam Palomba Investigativjournalistin? Wobak schlägt vor, ihr Profil auf dem heutigen Ex zu untersuchen. Son titre, c'est Journaliste, respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences, en raison du droit que le public a de connaître la vérité, article 1 de la Charte de Munich. Die Münchener Charta beschreibt die Ethik, an die sich professionelle Journalisten halten müssen. L'article 3 dit publier seulement des infos dont l'origine est connue ou les accompagner, si c'est nécessaire, des réserves qui s'imposent et ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents. Et le fait d'imaginer qu'il y a un détournement d'un debunk AFP, ça manque pas au code de déontologie du journalisme? Wir haben Zweifel. Trotzdem ist es schwer zu sagen. Nur eine Instanz wie der französische Rat für journalistische Ethik und Mediation könnte in so einem Fall entscheiden. Finissons avec le R. Donc le R, c'est la rigueur. Recherchen erfordern Genauigkeit. Hier fallen uns viele schwammige, hohle Formulierungen und der massive Gebrauch des Konjunktivs auf. Diese Massaker, um die mysteriöse Substanz aus den Körpern der kleinen Opfer zu gewinnen, werden von den globalen Eliten seit Urzeiten praktiziert. Donc ça, c'est le combo, depuis l'année des temps, plus conditionnel. Je pense qu'on a de quoi poser à peu près entre 80 et 85 questions à Madame Palomba. Donc, écrivez dans le Discord les questions que vous avez. On va les faire remonter, les synthétiser, puis on lui posera la question. Einige Tage später kontaktiere ich Myriam Palomba. Sie ist zunächst von der Idee eines Interviews begeistert, lehnt dann aber ab und erklärt, sie sei Opfer eines Hashtags geworden, der sie diskreditieren würde. Je vous invite à tweeter le hashtag Myriam Palomba pédosataniste, mais personne sait si c'est vrai, mais il faut quand même le dire. Hein. Voilà. Überraschenderweise kommt er von Vincent Flibustier, dem Autor des parodistischen Videos. Zehntausende Tweets greifen den Hashtag auf. Dahinter stehen ironische Internet-User. Es ist ätzend, abstruse Gerüchte zu verbreiten. Das nennt man auf dem falschen Fuß erwischt werden. Lol, Eigentor. Geschieht dir recht, der Boomerang-Effekt. Andere greifen die Codes von Verschwörungstheorien auf und vergnügen sich mit verstörenden Hinweisen. Der Beweis, sie leckt sich die Lippen, nachdem sie das Blut eines gefolterten Kindes getrunken hat. Sie hat auf ihrem linken Arm eine Tätowierung, bei der es sich um den gebräuchlichen lateinischen Namen für Adrenochrom handelt. Verstörendes Video. Myriam zeichnet auf Höhe ihrer Augenbrauen das Symbol der Hörner des Tieres. Die Reaktionen sind so zahlreich, dass der Hashtag von Vincent Flibustier zu den Top-Trends auf Twitter gehört und somit für zehntausende User sichtbar ist. Einige, die offensichtlich von der Existenz dieser Netzwerke überzeugt waren, beginnen zu zweifeln. Die Unterstützer von Myriam Palomba verteidigen sie, bedrohen Vincent und finden seine Privatadresse heraus. Ich möchte allen etwas erinnern. Nordpress, wir sind d'accord, c'est bien à toi, puisque c'est marqué là. Nordpress ist eine Nachrichtenseite, die sich als unabhängig von ethischen Regeln sieht. Wir wollen echten Journalismus betreiben, mit Informationen, über die die Mainstream-Medien nicht berichten und sie mit Hilfe betrunkener Journalisten-Schimpansen erfinden. Bonjour à tous, je suis Vincent Flibustier. Ihr Schöpfer Vincent Flibustier lehrt Medienerziehung und behauptet, gegen Desinformation zu kämpfen, indem er Fake News produziert, die oft parodistisch und manchmal grenzwertig sind. Seine Methoden spalten die Gemüter. Was wollte er wirklich erreichen, als er das wilde Gerücht über ein pädosatanistisches Netzwerk, an dessen Spitze Myriam Palomba steht, in die Welt gesetzt hat? Die Kolumnistin erstattet Anzeige gegen ihn. Wir kontaktieren Vincent. Voilà, c'est lui. Bonjour. Bonjour Vincent. Vincent sagt, dass er mit seinem gefälschten, viral gegangenen Gerücht tausende User erreicht hat, die für Verschwörungstheorien empfänglich sind und sie dazu gebracht hat, über ihre Voreingenommenheit nachzudenken. J'ai eu plein de réactions de personnes qui étaient un peu des fans de Palomba,
et plutôt des gens de cette complosphère qui venaient me dire « Ouais, t'accuses sans preuve, t'accuses sans preuve ». Et du coup, ça permettait de leur dire et d'avoir une discussion avec eux, que ce soit moi ou tout un tas d'autres personnes qui ont partagé le hashtag, mais bon sang, vous passez votre vie à partager des trucs sans preuve. Et là, on vous fait ça minuscule. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, c'est exactement ce que vous faites au quotidien? Faktenchecks überzeugen oft nicht. Vincent glaubt, den kritischen Geist einer sehr großen Anzahl von Menschen zu wecken, indem er derbe und virale Fake News produziert. J'ai un parcours un peu particulier où j'étais dans des cercles un peu complotistes il y a des années, il y a très très longtemps. Je suis très partagé sur ce genre de trucs-là. Le côté frontal, à part me mettre une baffe, je suis pas sûr que ça m'aurait sorti de mon schéma de pensée parce que personnellement, ce qui m'a fait sortir de tous ces délires, c'était plus orienté santé naturelle. C'était de discuter avec posément avec des personnes en dehors d'endroits publics comme Twitter, et c'était des explications plutôt bienveillantes et posées. Je suis totalement d'accord avec toi que de toute façon, en fait là-dessus, il n'y a pas de solution miracle. C'est très difficile surtout de toucher une audience large avec ça, c'est de pouvoir avoir une discussion avec les gens et de pouvoir parler un petit peu posément autour de ces questions-là. Est-ce que tu te dis pas que tu as pu encourager au harcèlement de Myriam Palomba? Oui, oui. Après, c'est discutable. Hein. Myriam Palomba, elle a la chance de pouvoir parler sur TPMP en tant que journaliste, enfin, présentée comme telle, devant 2 millions de téléspectateurs. Je considère que c'est quelqu'un qui a un peu de pouvoir et qui a une personnalité publique, qui doit donc assumer d'être critiqué, même vertement. Je comprends tout à fait qu'effectivement, c'est pas très clean, mais voilà, je trouve que c'est sans commune mesure par rapport à ce qu'ils font au quotidien. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup à tous. Et merci Vincent. Avec plaisir. Merci à vous. Salut. Bonne soirée. Merci. Der Hashtag von Vincent war vor allem deshalb so beliebt, weil er auf den viralen Äußerungen von Gérard Fauré aufbaute. Diese Aussagen haben Hunderttausende zum Adrenochrom gebracht. Welchen Einfluss hatte die Sendung von Cyril Hanouna auf die Verbreitung dieser Theorie? Wir suchen nach einer Person, die für uns die Auswirkungen seiner Äußerungen im Netz analysieren kann. Ich stoße auf Guilhem Fouettiou, beigeordneter Wissenschaftler am Forschungslabor der Universität Sciences Po und Mitbegründer des Social Web Analyse Tools Radarly. Bonjour! Bonjour! Die Software ist kostenpflichtig. Viele Unternehmen nutzen sie, um Social Media zu analysieren und so die Gewohnheiten ihrer User zu verstehen. D'accord, bah là, si ça vous va, on va détourner un tout petit peu l'utilisation de votre outil. Nous ne sommes pas un groupe alimentaire, nous enquêtons sur l'adrénochrome. Vous connaissez ? Oui, j'en ai entendu parler. Mais c'est des choses, effectivement, qu'on a vu grossir depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous partager votre écran ? Je suis très curieuse de voir cet outil, hein, et voir ce qu'on peut effectivement éventuellement trouver grâce à ça. Anfang der 2010er Jahre fällt auf, dass der Begriff Adrenochrom in Europa so gut wie nicht vorkommt. Die wenigen User, die ihn verwenden, stammen aus den USA und beziehen sich auf Musik. Zu diesem Zeitpunkt ist Adrenochrom der Track eines gewissen Nick Shades aus Miami, der von Fear and Loathing in Las Vegas inspiriert ist. In diesem Film probiert Johnny Depp Adrenochrom. Eine völlig imaginäre Droge, die bei einem Satanisten gefunden wird, der Kinder foltert. Ab 2016 wird diese angebliche Droge immer häufiger von QAnon erwähnt. Die Verschwörungstheoretiker versuchen, im Präsidentschaftswahlkampf die Amerikaner davon zu überzeugen, dass Hillary Clinton der Kopf eines pädosatanistischen Netzwerks ist, der berühmte Pizzagate-Fall. Hier sollen Kinder eingesperrt und misshandelt werden. Als der Mann, der die angeblich im Keller gefangenen Kinder befreien will, an einem Sonntag das Feuer eröffnet, wird das Ganze zum Drama. Zum Glück wird er schnell festgenommen. Es gibt keine Verletzten, keine gefangenen Kinder und auch keinen Keller. Die von der Alt-Right-Bewegung verbreitete Theorie erreicht während des Wahlkampfs 2020 ihren Höhepunkt. À partir de 2020, la présence d'Adrenochrome sur le Web est multipliée par 12 en termes de volume. Je veux bien essayer de comprendre du coup comment ce terme nous est apparu à nous là sur nos réseaux sociaux. Oui. Alors que moi, personnellement, j'avais rien demandé, quoi. Et d'autres membres de la rédac, non plus.
Während der Begriff Adrenochrom 2020 in Frankreich in Social Media dreimal weniger vorkommt als in Deutschland, setzt er sich in der Pandemie nach und nach durch. Dies wird von besorgten Internet-Usern geschürt, von denen einige offensichtlich von Gérard Fauriers Aussagen überzeugt sind. Mais il faut que ces enfants souffrent au maximum pour que l'adrénochrome soit de très bonne qualité. Der Höhepunkt ist am 9. März 2023. An diesem Abend wird Touche pas à mon poste ausgestrahlt. Et tout d'un coup, ça explose à partir de 21h. Bravo, Hashtag Fauré. Schaut selbst, was Adrenochrom ist. Anouna hat heute Abend darüber gesprochen. Jusqu'à maintenant, on était toujours sur un centre de gravité qui était plutôt les États-Unis. Mais là, on voit que la France est devenue vraiment très foncée, là, avec quasiment autant de contenu sur la France qu'aux États-Unis. C'est la première fois où le terme adrénochrome a une présence équivalente dans un autre pays que les États-Unis. Ah oui, la France qui devient la capitale de l'adrénochrome, en fait. Ramenée à sa population, oui. Mais alors, ce qui est intéressant, si on compare les conversations avant le pic de visibilité et les conversations après le pic de visibilité de TPMP, il y a une augmentation de plus de 50% du nombre de contenus qui parlent d'adrénochrome en France. Donc en fait, TPMP a permis au sujet de l'adrénochrome de franchir un palier, c'est-à-dire ça s'installe comme un sujet comme ça qui est dans l'imaginaire collectif et qui revient régulièrement dans les conversations. Diesem Tool zufolge ist Frankreich heute unter den Top 3 der Länder, in denen Adrenochrom in Social Media am meisten diskutiert wird, hinter Großbritannien und den USA. Und Deutschland? Um das zu untersuchen, verwende ich nun ein frei zugängliches Tool, Google Trends. Hier sehe ich, wie sich die Anzahl der Suchanfragen zu Adrenochrom in Deutschland entwickelt hat und stelle fest, dass sie zwischen dem 29. März und dem 4. April, dem Beginn der Covid-Pandemie, 100-mal häufiger waren als üblich. Was ist passiert? Ich teile dies den deutschen Mitgliedern auf Discord mit. Ah, hallo. Hallo, hallo. Hallo. So, thank you for being there. So, yes, tell me just a bit about you. Also, hallo zusammen, ich bin Alexandre, ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus dem Norden von Deutschland, also ich komme aus Hamburg und ich bin Lehramtsstudent im Master jetzt für die Fächer Französisch und Englisch. D'accord, donc on a un bilingue, bravo, parfait. Had you heard of that theory? Ich habe es in den Medien gehört. Aber ich bin jetzt nicht ganz vertieft in der Materie. Also das ist jetzt neben Alexandre begrüße ich Marlin, eine Schülerin aus Hamburg, Arnaud, ein Student der Politikwissenschaft und Emma, eine Sozialarbeiterin. Ich zeige Ihnen meine Ergebnisse. So what happened on that in that moment with Adrenochrome? Um herauszufinden, was an diesem Tag passiert ist, geht Emma auf die österreichische Faktencheck-Seite Mimikama. Und findet Folgendes. Es gab ein Video von Xavier Naidoo, der hat diese Theorie auch sehr bekannt gemacht. Das Video ist verlinkt, aber auf YouTube nicht mehr verfügbar. Man kann es nicht mehr anschauen. Das Video ist am 2. April. Who is this guy? Is he well known? Ja. He's a big musician. Can we play it? In verschiedenen Ländern der Erde. Aus den Händen pädophile Netzwerke befreit. Aber nicht so, wie ihr denkt. Nicht das Pädophil, was mir Adrenochrom. Der Sänger postet das Video zunächst für seine Fans auf seinem Telegram-Kanal. Sofort wird es von Hunderttausenden weiterverbreitet und angeklickt auf TikTok und YouTube. Also dadurch, dass er auch sehr bekannt ist und beliebt ist in Deutschland, also war, hat er eine große Menge mitnehmen können, glaube ich, auch dadurch, durch seine Popularität. Die Tränen des kommerziell erfolgreichen Sängers werden von mehreren Medien aufgegriffen, was die Verbreitung dieser Verschwörungstheorie noch verstärkt. Wir stellen jedoch fest, dass der Sänger, der sich in verschwörungstheoretischen, oft pro-russischen Kreisen bewegte, seit dem Krieg in der Ukraine die Verbreitung seiner Theorien eingestellt hat. Hier erklärt er,
dass seine Frau Ukrainerin ist und ihm die Flucht seiner Schwiegerfamilie die Augen geöffnet hat. Ich habe mich Theorien, Sichtweisen und teilweise auch Gruppierungen geöffnet, von denen ich mich ohne Wenn und Aber distanziere und lossage. Bei der Wahrheitssuche war ich wie in einer Blase und habe mich manchmal vom Bezug zur Realität entfernt. Eine plötzliche, sehr seltene Wendung. Emma war Schülerin an einer alternativen Steiner Schule, die viele unbegründete Theorien propagierte. Sie weiß, wie schwer man da rauskommt. Mir ist das Thema insgesamt sehr wichtig, weil ich das Gefühl habe mit meiner Vergangenheit, ich hätte auch selbst eine Person sein können, die an diese Verschwörungstheorien glaubt. Und mir hat es sehr geholfen, dass Menschen aufgeklärt haben. Dankeschön. Emma hätte glauben können, dass eine kriminelle Elite Kinder opfert. Das liegt auch daran, dass diese Verschwörungstheorie stark mit Emotionen spielt. Die mutmaßlichen Täter variieren, aber im Grundgedanken sind es dämonische Bluttrinker. Reiche, mächtige Menschen, die die Fäden ziehen. Bonjour. Santé, ça va bien? Ça va bien, oui. Marie Pelletier ist Expertin für Verschwörungstheorien und erklärt, dass diese eine jahrhundertealte antisemitische Weltanschauung vermitteln. Le conspirationnisme, c'est une arme antisémite, historiquement. Et dans l'imagerie antisémite, il y a beaucoup l'idée du juif qui sacrifie des enfants, voire qui les viole, etc. C'est déjà d'ailleurs ce qui justifie les pogroms à la fin du 19e siècle. Dans la propagande nazie, c'est des choses qu'on voyait beaucoup. Les juifs, à la fois qui tirent les ficelles, mais aussi qui font des réunions avec des élites où on sacrifie des enfants, où on abuse d'eux, etc. Alors moi, ce qui m'étonne, nous, on a regardé TPMP, je ne sais pas si vous avez regardé. Oui, oui. Je ne crois pas qu'il parle des Juifs, par exemple. Vous voyez ? Non, Myriam Palomba, en plus, elle dit qu'elle est juive, donc elle se cache derrière ça. Mais donc, qu'en pensez-vous ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui véhiculent ça sans attaquer la communauté juive. On est dans un logiciel de pensée et une logique qui est une voie vers l'antisémitisme. Et ça, moi, je n'en démords pas. Que ce soit conscient ou non, on va, quand on rentre dans cette manière, ce rapport au monde, ce logiciel de pensée, on va tomber sur une pensée antisémite et des contenus antisémites. Moi, ce qui m'inquiète effectivement dans ce genre de théorie-là, c'est la probabilité de passage à l'acte violent. C'est le fait qu'on en vienne à déshumaniser des gens, à les accuser de choses dont ils n'ont pas commises et à justifier la violence à leur égard. C'est aussi ce qu'on a vu avec Pierre Palmade, où là aussi, moi, je me suis dit, à un moment donné, il va y avoir un passage à l'acte violent contre lui. Pierre Palmade. Sein Name taucht auch auf Gérard Faurés schwarzer Liste auf. Einige Tage später schickt mir der Ex-Promi-Dealer von Paris und vermeintliche Whistleblower endlich den Nachweis, dass es in Frankreich ein Adrenochrom-Labor gibt. Der Beweis ist ein Video von François Radical III, einem Kopfgeldjäger ohne Kopfgeld, der Gérard Fauré einfangen konnte. Es handelt sich um ein Live-Video, das ich den Mitgliedern der Redaktion zur Verfügung stelle. Es dauert 4 Stunden und 33 Minuten. Bonsoir à tous, bonsoir le chat, bonsoir au modérateur aussi et surtout bonsoir à notre invité Gérard Fauré. Monsieur Gérard Fauré, bonsoir à vous. Bonsoir. An der Seite von Gérard Fauré, Gina Jade, eine Wahrsagerin, die wegen Betrugs, betrügerischen Ausnutzens von Unwissenheit und Gewalt gegen eine schutzbedürftige Person zu 18 Monaten Haft verurteilt wurde. Und Mitglieder von La Table 700, auch Tisch der widerständigen Wahrheiten genannt. Sie wollen Millionen Französinnen und Franzosen vereinen, um die neue Weltordnung aufzuhalten. J'ai lu que à Washington DC, ils ont découvert sous le Capitole, ils ont découvert une usine d'enfants. Je sais pas si t'es au courant. Des enfants, on a retrouvé des centaines, des milliers de cadavres d'enfants coupés à moitié et tout. À qui on avait enlevé les organes et à qui on avait sucé tout le sang pour faire de l'adénochrome. D'accord? Dieses Gerücht stammt von der US-Seite RealThing TV, spezialisiert auf prophetische Visionen. In dem Video attackieren die Moderatoren und Gérard Fauré den Vorsitzenden des Vereins Wanted Pedo, Maxime Monteau. Der ehemalige Fernfahrer ist ebenfalls von angeblichen pädosatanistischen Netzwerken besessen.
Gérard Fauré beschuldigt ihn des Kinderhandels und sucht nach Informationen über eine seiner Firmen, die offenbar mit Glücksspiel zu tun hat. Bien entendu, c'est pas Monaco. Et comme j'avais dit dans la précédente vidéo, peut-être qu'il joue au Bonto ici, sur les poubelles. Peut-être que c'est un endroit où on fabrique de l'adénachrome, comme à Washington. Il découpe des enfants, il récupère le sang et tout. Parce que c'est un endroit que personne ne pourrait soupçonner. Peut-être que c'est là qu'il enchaîne Gérard, les petits-enfants. Gérard, je ne pense pas qu'il ait la compétence de créer de l'adrénochrome. Mais quand je dis adrénochrome, c'est peut-être lui, il prête le local à d'autres, va savoir. Tu sais, moi, je sais ouvrir les portes et je vais aller voir de mes propres yeux, maintenant que j'ai l'adresse. Je vais me rendre là-bas et t'inquiète pas, je vais rentrer dedans. Quitte à aller en prison, si on me chope, je m'en bats les couilles. Je veux savoir ce qu'il y a derrière ces portes et je le saurai. Voilà. Alors, il est prévenu, peut-être qu'il va déménager, je ne sais pas. Mais je vais y aller très vite, peut-être demain ou après-demain. Ah, moi, je suis rapide. Moi, je bats le sac quand il est chaud. Hier sollen also Kinder geopfert worden sein. Wir fragen uns, was Gérard Fauré gesehen hat, als er sich an den Ort des Geschehens begab. Ich bitte ihn um ein Interview, aber er lehnt ab. Oth, ich bin ehrlich. Ich habe keine Lust, an Ihrer Sendung teilzunehmen. Ich rufe ihn an. Bon, écoutez, j'ai vu la vidéo, du coup. Ah, d'accord. Alors? Alors, du coup, on voit juste la porte d'un local. Donc, je me demande si c'est pas un tout petit peu juste pour affirmer qu'il y a un laboratoire d'adrénochrome à cet endroit. C'est eux qui le disent. Non, monsieur, dans la vidéo, c'est vous qui parlez du laboratoire d'adrénochrome. Comment ça, c'est moi qui le dis? Bah oui, c'est vous. Oui, peut-être. Ça, c'est possible. Mais je veux dire, au départ, c'est Gina qui le dit. Je ne fais que répéter, c'est tout. Le laboratoire a existé. Ça, c'est garanti, quoi. Enfin, garanti, oui. Et du coup, dans la vidéo, vous dites « Ah, ben, je vais y aller, je suis chaud, j'y vais demain. » Vous y êtes allé ou pas? Non, je suis pas allé. Parce qu'après, je me suis dit « Bof, c'est pas trop mes oignons, tout ça. » J'ai jamais vu ce laboratoire. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Am Ende unserer Recherche hat ARCOM, der Ombudsrat für audiovisuelle Medien, Seweet zu einer Geldstrafe von 500.000 Euro verurteilt, weil Gérard Fauré verschwörungstheoretische Äußerungen über Adrenochrom getätigt hat. Salut. Bonjour. Ça va? Ça va. Bah, c'est le dernier live, je pense, sur cette enquête sur l'adrénochrome. Je voulais vous dire déjà un bravo pour les contributions, parce que franchement, il y en a qui sont particulièrement au taquet, qui ont vraiment donné de leur personne, donc franchement, bravo. Et du coup, je veux bien que vous nous fassiez part de ce que vous en pensez, quoi. Ils ont de l'imagination, mais en fait, personne n'est allé sur place, personne n'est allé vérifier. Et donc, ils avancent des hypothèses en disant « Ah, mais peut-être que c'est ça », mais à partir de quoi? Bah, de rien, en fait. On est dans l'exemple parfait du biais de confirmation. Est-ce que tu peux nous expliquer? Le biais de confirmation, c'est à partir du moment où on a une hypothèse, on ne cherche que des preuves permettant de confirmer l'hypothèse. Donc là, son hypothèse, c'est des élites enlèvent les enfants et les sacrifient pour des choses satanistes. Donc, je cherche toutes les preuves que je peux qui permettent de prouver ça. Et je ne cherche aucune preuve qui me permettrait de prouver le contraire. On n'est même pas dans la preuve, en fait. On est dans des pseudo-trucs qui pourraient, si on les interprète comme ça, dire que ça voudrait dire ça. Mais enfin, on n'est pas dans un élément de preuve. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Peut-être que cette enquête, elle nous mènera encore à d'autres idées. Je vous souhaite une bonne soirée. On continue Citizen Facts. Alors... Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, okay, bonne soirée. Salut à tous. Salut, prenez soin de vous.